Allons-y. À nous deux, cette fois je sens que c'est la bonne. Oui, maintenant à celui-ci. C'est son tour. Mon Dieu, j'ai réussi. Où est mon plan? Oui, c'est ça. Ah, voilà où vous venez vous cacher tous les soirs. Et cette gorge, toujours douloureuse? Qu'est-ce que c'est? Il est compliqué votre bricolage. Un peu effrayant, non? Non, c'est une expérience sur le son. Voulez-vous que je vous explique? L'oreille humaine ne peut percevoir tous les sons. Cette machine est destinée à capter tous les ultrasons inaudibles à l'oreille humaine. Toute note qui dépasse 15 000 vibrations par seconde, elle les convertit en gamme perceptible comme une radio. Regardez cette mouche. Quel bruit fait-elle? Elle a une bouche, un gosier, qui vous dit qu'elle n'émet pas un sifflement perçant. Et cette machine? Je peux la régler à 30 000 vibrations pour entendre la mouche ou une chauve-souris qui vole autour de cette pièce. Je peux même discerner la note exacte, mais sur un registre plus bas. Dès ce soir, je tente une expérience. Eh bien, bonne chance. Allez-y. Oui, ici ça ira. Voyons voir. Mrs. Sanders, oh hey, Mrs. Sanders, coupez une rose, je vous en prie. Mon Dieu, monsieur, mais qu'y a-t-il? Faites ce que je vous dis, coupez. Il faut que je vous dise, la rose est vivante. La pauvre rose assassinée vient de pousser un cri. Comme c'est intéressant. Essayons avec cette pâquerette. Encore ce cri, est-ce la douleur? Non, plutôt la surprise. Docteur Scott, il faut venir tout de suite, je vous en prie. Oui, oui. Êtes-vous malade? Non, mais il faut que quelqu'un l'entende, ça me rend fou. Très bien, j'arrive. Ah mon Dieu, 500 têtes à couper. À quoi peut ressembler ce bruit? 500 épis hurlant tous à la fois et 500 autres tombant. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Venez avec moi. Tiens, pourquoi avoir apporté votre machine jusqu'ici? Il me fallait un arbre. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, mettre ces écouteurs sur vos oreilles? Faites bien attention et notez bien tout ce que vous entendrez pour me le décrire avec précision. Entendez-vous un bruit? Rien qu'un bourdonnement. Juste au ciel, j'ai cru qu'elle vous écrasait. Avez-vous entendu un bruit? À quoi ressemblait-il exactement? Eh bien, à vrai dire, je n'avais qu'une idée. Sauver ma peau. Nom d'une pipe! Cette masse énorme menaçait de m'écraser. Je crois qu'il est temps de rentrer. Écoutez-moi, docteur. Il faut d'abord me recoudre ça. Ne soyez pas ridicule. Comment voulez-vous que je recousse le bois? Alors badigeonnez-le avec de la teinture d'iode. Bon, je vais la badigeonner. Maintenant, à l'autre entaille, juste au-dessus de celle-ci. Vous reviendrez demain? Mais oui, bien entendu. Et vous remettrez un peu d'iode? Si c'est nécessaire, oui. Merci, docteur. Venez maintenant, il faut partir.